tous, un vrai plaisir de vous retrouver en ce samedi. J'espère que vous avez passé une agréable matinée avec un soleil qui fait son grand retour depuis maintenant quelques jours. Une matinée largement ensoleillée sur l'ensemble du département. Sur l'image satellite, on a cette bande nuageuse à l'est de Nanterre qui viendra toucher la façade nord-est du département en cours de nuit prochaine, apportant ainsi de nouvelles entrées maritimes. En attendant, un grand beau sur le département. Pour cet après-midi, sous l'évolution d'onde, seuls quelques nuages prendront place, notamment sur les hauteurs de Saint-Pierre ou encore du côté de la plaine des Palmistes, qui fera les frais de quelques gouttes, mais rien de significatif. Partout ailleurs, un temps lumineux et les plus hauts sommets restent eux aussi bien dégagés. Le vent, en revanche, c'est le fait marquant du jour. Cet alizé de nord-est impactera le secteur du côté de la route des Laves, avec des rafales atteignant les 60 km/h et même valeur de la Grande Chaloupe à la pointe des Aigrettes. La mer est peu agitée sur le nord et agitée partout ailleurs, au déferlement d'une houle australe voisine d'un mètre qui va s'intensifier jusqu'à gagner les 1,50 m en fin de journée, croisée sur le sud sauvage avec une houle d'alizée voisine d'un mètre également. Côté température, on se situe au-dessus des valeurs de saison avec de hautes températures, 30 degrés du côté du Baril et de Saint-Pierre, 31 pour la pointe des Trois-Bassins ou encore 28 sur le chef-lieu ainsi que sur Saint-André. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 23 octobre. Une excellente fête à vous les gens. La marée sera au plus bas à 20h43 et le soleil nous quittera à 18h24. Je vous dis à ce soir et je vous souhaite une excellente après-midi sur Antenne Réunion.